Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Le même jour, le disciple faisait route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et il parlait entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. » Car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Hokon, wel hemen, li jami aiko. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Frères et sœurs, en ce 3e dimanche du temps de la glorieuse résurrection, les lectures proposées par l'Église maronite nous soutiennent dans la foi. Que nous ayons la foi solide comme Job, ou que nous soyons désespérés comme l'étaient les disciples d'Emmaüs, le Seigneur, lui, restera fidèle à sa parole, qui est un projet de vie pour toute l'humanité. Au terme d'une vie
Parsemé d'épreuves, Job était encore capable de s'adresser au Seigneur en disant « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. » Le Seigneur rétablit la condition de Job. Tandis qu'il intercédait pour son prochain et porta au double tous ses biens. Oui, le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que son ancienne situation. C'est ainsi que la fidélité de Dieu à sa parole se manifeste. Elle s'est manifestée à Job en le bénissant. Job vivra longtemps après toutes ces épreuves. La Bible nous raconte qu'il a vécu encore 140 ans. Nous sommes au chapitre 42 du livre de Job. Et il mourra âgé, rassasié de ses jours. Il va voir ses enfants et ses petits-enfants. Au terme d'une formation à l'école de Jésus-Christ, deux de ses disciples décident d'abandonner, de laisser tomber. Ils pensaient finir sur un échec, celui de la mort de leur maître, sur une croix. La flamme de leur foi ne s'éteindra pas définitivement, car le Seigneur était là au milieu de leurs ténèbres. Dieu ne les a pas abandonnés. Même s'ils avaient tourné le dos au projet de Dieu, à ses enseignements. Oui, le Seigneur reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même, nous dit saint Paul. Je souhaite partager avec vous une grâce reçue à Pâques cette année. Après avoir accompagné des personnes pour le baptême, j'ai assisté à leur baptême. Le baptême, c'était la veillée pascale, samedi 8 avril. La veillée pascale commence au parvis de l'église Saint-Germain-en-Laye, un grand feu. On allume le cierge pascal dans les chants et les prières, puis les fidèles commencent à allumer leur cierge. C'était la nuit. Toute l'église était dans la nuit, dans les ténèbres, tout était sombre. Et petit à petit, à fur et à mesure que les croyants entraient, tout s'éclairait, grâce au cierge porté par les fidèles. Moi, j'avais peur que mon cierge s'éteigne, et hélas, il s'est éteint. Plusieurs fois d'ailleurs. En chemin vers l'autel, il s'est éteint une, deux, trois fois. Mais à chaque fois que le cierge s'éteignait, je trouvais plusieurs fidèles venir très contents d'allumer mon cierge. La voici, la grâce. Non seulement j'ai vu les personnes que j'ai accompagnées baptisées, mais aussi le Seigneur m'a rappelé que même si la flamme s'éteint, il y aura quelqu'un pour l'allumer. N'ayons pas peur de perdre la foi. Oui, frères et sœurs, à travers les fidèles, mon cierge a été rallumé plusieurs fois ce jour-là. Le Seigneur dit plusieurs fois dans cette période, nous allons l'écouter plusieurs fois dans les évangiles, « N'ayez pas peur ». En ce 23 avril, nous fêtons Saint-Georges. Lui, sa foi lui a permis de triompher du plus grand mal qui puisse nous arriver, la mort. La mort, le malin, représenté par un grand dragon, effrayant, Saint-Georges, martyr, a su triompher, a su donner ce qu'il a déjà reçu du Seigneur, c'est-à-dire son corps, et il a reçu la couronne de la foi. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu si nous avons la foi de Job ou de Saint-Georges, et n'ayons pas peur si nous désespérons comme les disciples d'Emmaüs, quand les épreuves deviennent trop lourdes à porter. Le Seigneur nous tendra toujours la main car il veut notre salut. أخوتي الأحبة، الكتاب المقدس بذكرنا إنه الرب دائما حاضر. حتى ولو أيوب تعذب كتير، بآخر فصل من كتاب أيوب بفرجينا الرب كيف عم بيباركه، وكيف عم بيطول له عمره ويزيده نعم مادية ومعنوية. هو اللي كان وجه الصديق اللي ما كان عم بيطلب شيء لإله، كان عم بيتضرع لغيره. ربنا بارك فيه
وعطاء وزاد ونعم. وشفنا كمان هالتلميذين كيف من بعد ما رفقهم يسوع وتعب عليهم على مفصل الطريق قدام الصليب قرروا غيروا الطريق، قرروا يتركوا أورشليم ويتركوا هالحلم يلي كانوا عايشين فاكرين حالهم عايشين بحلم كلام يسوع وتعاليمه كل شيء كان عم بيعمله، تركوا كل هالشيء وراحوا يأسنين. ولكن الرب يلي ما بيترك حدا واللي ما بده يانا يكون يأسنين وبده يعطينا الفرح كان حاضر بهاللحظة هيدي، لحظة التخلي مثل ما بنقول، لحظة أصعب لحظة بنكون عم نعيشها، الرب كان حاضر بهاللحظة وأخذ وقته رجع عن جديد فسر له من الكتب، ولما وصل على كسر الخبز فهموا أنه هذا يسوع المسيح، وفهموا أكثر سر قيامة الرب، سر الخلاص. ومن هيك رجعوا على أورشليم يتشاركوا الخبرة مع الرسل التانيين. مارجريس اللي منعيد له اليوم ومنحب كتير هالقديس ومنحط صوره ببيوتنا وبمدننا، وفي بلبنان مدينة بيروت مكرسة لمارجريس، ومش بس بلبنان في كتير بلدان شفيعة مارجريس، بيعلمنا كيف نربح على الشر. نربح على الشر مش بقوتنا الشخصية، مع أنه هو كان شخص أبضاي جسديا، ولكن نربح لأنه المسيح معنا، قام من بين الأموات وهو حاضر معنا. مارجريس قبل يتخلى عن جسده الفاني ويفوز بإكليل الشهادة لأنه اللي ناطره هو أكبر بكتير وأعظم بكتير من هالشي اللي عم نعيشه بالحياة الدنيوية. منجدد إيماننا بالرب وما منخاف إذا عايشين لحظة صعبة، لأنه الرب كمان بيكون معنا، وما ننسى نلتجي لإله وهو قادر يشيلنا من الظلمات. للرب المجد للأبد، آمين.